Asseyez-vous. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vais vous le dire franchement, on peut pas en faire 40 comme ça. Ouais, c'est fort. Hein. Bravo. Hein. Donc c'est la bande originale. Ouais. Ah, les cartes de bons clients pleuvent. Cartes de bons clients. Ouais. Donc c'est la bande originale du film Les 11 commandements, donc comme des connards par les connards. On me dit qu'il faut la refaire pas assez pêcheux. Qui est-ce qui a écrit ça? Les paroles? Ouais. Les paroles, c'est nous, la musique, c'est les Nax. Qui avait notamment fait My Sharona. Plagiat dans l'autre sens, ouais. C'est que les Knacks nous ont plagié, mais ouais. 12 ans avant. C'est marrant. Ouais. Ouais. Alors c'est un groupe néo-punk, on peut dire, les connards. Hein, néo-néo. Néo-néo, beaucoup de néo-néo, pogo. Pas ouais, beaucoup de pogo. Quelles sont vos influences musicales? The Hives. Ouais. Les gens Jet. Ouais. Ouais. Les White Stripes. Ouais. Et puis les VRP. Quoi. Iron Maiden. Vous vous êtes rencontrés comment? On était dans un club échangiste, je crois, là aussi. À chaque fois, on répond ça. Dès qu'on fait un groupe de musique, on s'est toujours rencontré dans un club échangiste. Voilà. Vous êtes ensemble depuis longtemps, les connards? Oui. Trop. Alors, est-ce que vous avez des envies de carrière solo, les connards? On peut pas. Bah, c'est-à-dire que le problème, c'est que dans le groupe, il n'y en a que deux qui chantent. Ouais. Et les deux qui chantent, s'ils n'avaient pas eu recours à. Comment on appelle ça? C'est toi qui. L'autotune, on paraisse. L'autotune. Ouais. Si on n'avait pas eu. Il n'y aurait personne qui chanterait dans la chanson. Ouais. Merci, voilà. On voudrait surtout remercier l'autotune. Sans lui, on n'existe pas. Il y a pas mal de chanteurs qui devraient dire ça. Ouais. Y compris des chanteurs qui vont au Energy Music Awards. Vous n'allez pas, les connards, au Energy Music Awards. Non, on est là. On va pas au Energy Music Awards. Ouais. On va chez Ardisson. On s'en bat les couilles. Ouais, ouais. C'est vraiment fait penser aux chanteurs des Bratislava. On me le dit assez souvent. On me dit aussi que je ressemblais un petit peu à Alphonse Brown. Ouais, ouais. C'est marrant. Vous vous souvenez des Bratislava, non? Si on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. But it's not our music. Ouais, c'est terrible. Hein, ah là là, content qu'ils soient morts, ceux-là. Bon, c'est pas ce qu'ils sont devenus. Remarquez quand même qu'ils ont progressé depuis. Musicalement, ils ont découvert qu'ils pouvaient quand même faire un morceau qui tenait la route. C'est pas de leur faute, c'est grâce à l'autotune. Ouais, et ça va cartonner. Alors maintenant, on va voir si vous êtes de vrais connards. Ah. On va faire le questionnaire de Proust. Quel est pour vous le comble de la misère? D'être goûteur chez Buffalo Grill. Micro à la Star Academy. D'accord. Quel est votre idéal de bonheur terrestre? D'être chez toi dans ton canapé, ouais. De foutre des grandes beignes à ton yinche, d'insulter ta femme, de ne pas t'occuper de ton gosse, et de regarder Bataille et Fontaine en se grattant les couilles. Pizza, pizza, pizza! Bière, bière, bière! Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence? Ah, faute de goût! Oui, c'est... Quelle est la qualité que vous préférez chez l'homme? Sa femme. Yeah! Oh, Benjamin! Pizza, pizza, pizza! Bière, bière, bière! Et quelle est la qualité que vous préférez chez la femme? Sa fille! Ouais! Pizza, pizza, pizza! Bière, bière, bière! Qui auriez-vous aimé être si vous n'étiez pas les connards? Pol Pot. Ouais. Parce qu'il a un bon marrant. Plus de trucs, ça fait.
Quelle est la qualité que vous appréciez le plus chez vos amis? Quand ils s'en vont. Pizza, pizza, pizza. Pire, pire, pire. Quel est votre principal défaut? Pizza, pizza, pizza. Donc, bien. Ah, moi j'en ai un, mais ça va être compliqué à expliquer. Ouais. Je soutiens le Front National, mais c'est pour des raisons éminemment politiques. C'est que j'ai décidé que si nous, on soutenait le Front National, tous les électeurs du Front National, ne voulant pas se reconnaître dans ce vote, vont le laisser tomber. Bon. Donc, voilà. Jean-Marie, Jean-Marie, on est avec toi pour les régionales. On va te soutenir jusqu'au bout, Jean-Marie. Hasta la vista, s'il te plaît. Quelle est la première chose qui vous attire chez une femme? La taille de son sexe. La taille de son sexe. C'est vrai que c'est important. Ce que vous détestez par-dessus tout. Et toi, t'as toujours des trucs à répondre tout le temps. Oui, mais j'ai ma carte de bon client. Maintenant, j'ai bon. Ça va. Non, mais carte, il peut te la reprendre. Hein. Ouais. La semaine dernière, à De Vieux-Joncourt, il lui a repris dans la chambre après. Reprend. Et regarde, regarde les chaussures qu'elle lui a offertes. La salope. Est-ce que vous êtes prêts pour une pause insulte? Ah ouais. Mangi la figa tua mamma. Est-ce que vous êtes prêts pour une pause bisou? Ah oui. Comment aimeriez-vous mourir? À Neuilly-sur-Seine. Oui. Moi, je veux mourir à Neuilly-sur-Seine, devant Nicolas Sarkozy. Attention, quel est l'état présent de votre esprit? Bire, bire, bire. Pizza, pizza, pizza. Bire, bire, bire. Quelle est votre devise? L'euro, non. C'est... Comme tout le monde, en fait. Notre vraie nature, c'est d'avoir 14 ans. C'est conduire une voiture sans toucher au volant. Ouais. C'est aller droit dans le mur, mais y aller en se marrant. Voilà les connards, comme les connards. Bande originale du film Les 11 commandements. Que ce soit ton, on s'en fout, on est des fous, on ne sera jamais que...